Bon, mes chers amis, revenons à ce qui nous occupe ce soir. Directeur de la Société française d'emballage depuis bientôt 25 ans, je n'ai jamais poursuivi qu'un seul but. Respecter, servir et gâter mes bons et fidèles clients. Aussi, ai-je voulu que notre usine parisienne soit enfin digne du marché européen. Il faut que la Société française d'emballage devienne demain... Devienne demain l'entreprise d'après-demain. Je ne fais en cela que suivre l'exemple de notre excellent ami, M. Crépin-Jaujard, dont les établissements sont l'honneur du conditionnement et de l'emballage français.